Ah, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Donc, j'ai fait plusieurs catégories, hein, évidemment. Alors, vous voyez pas peut-être, à cause de la cam. Hop. Donc, il y a banger absolu, coup de cœur, j'aime bien, correct, bof, j'aime pas. Et bah, comment on peut aimer ça en fait? Non mais, comment on peut aimer ça? Coucou le calcaire. Genre CQ. Évidemment CQ. Allez. Let's go commencer. Attention, attention. Bon. Donc, on a MKS. On a MKS. Hein. Je vais baisser un petit peu le son. Par contre, parce que je veux pas que ça aille trop fort non plus. Voilà. On est pas trop mal comme ça, je pense. Donc, MKS. En vrai, je l'apprécie pas des masses en lounge, je vous avoue. Pour ce qui est de l'ambiance de la map, je l'aime plutôt bien. Et il n'y a pas non plus. Après, il n'y a pas non plus des strats incroyables à faire. Mais genre, MKS, elle me saoule un petit peu. Le chat est décalé. Ah oui! Bien vu. Bien vu. Merci. Merci. Petite bébou. Alors, attends. Le chat. OMG. Hop. Attendez. Mais où je l'ai mis le chat, moi? Ah! Mais où je l'ai mis? Ah, je l'ai mis ici, je crois. Hop, c'est bon. Je l'ai. Voilà, c'est bon. Ah oui, mais par contre, faut que je le mette derrière derrière la cam, en fait. Enfin, non, ouais, derrière, je dis bien. Hop, voilà. On est bien comme ça. On est très bien. Donc, on est parti. MKS, je vais réduire un petit peu la barre du chat du coup. Bon, ça va aller dans, ouais, bof. Ça va aller dans bof, voilà, on commence. Alors, je pense pas que je vais classer par ligne aussi. Enfin, je verrai. En vrai, je verrai. Il faudra que je compare aussi avec mon ancienne tier list. J'avais pas vu l'overlay en bas, c'est trop beau. Eh, hey, t'as vu comment ça rend bien? Et vraiment, pour être tout à fait honnête, je l'aime de plus en plus l'overlay, ma petite Elia. Vraiment, je te jure. Ça fait tellement un coup de fraîcheur. C'est trop... trop agréable. Tu peux être fier de toi. Donc, par Glougloop. Par Glougloop. On va mettre ça dans... Je pense correct. En vrai, c'est une map intéressante concernant quelques strats. Mais pas non plus incroyable. J'ai envie de dire donc. Voilà, on va mettre dans correct. Ça ira très bien. Je sais pas si vous êtes fan de Park Glouglou, mais voilà. Après, correct, bon. C'est déjà bien. Hein. Donc, bon. Voilà. Oui, Calcaire. Pourquoi? Oui. Évidemment. Et j'en suis le plus heureux. Sweet Canyon. On va le mettre dans correct aussi. Là, mais. En fait, je suis... Enfin, non, mais Calcaire, genre, t'as pas à dire ça, en fait. Je sais pas.
Alors, je suis bien gentil, mais je vais supprimer ton message. Genre, à quel moment ça pose un problème? Enfin, non. Je sais pas. Je sais pas, enfin, non. Là, je suis désolé, mais je peux pas... Enfin... Bah ouais. T'as pas... Enfin, je suis désolé, mais t'as pas à dire ça comme ça en stream. Genre, je sais ce que je fais, et je sais... et elle sait ce qu'elle fait aussi, hein. Genre, voilà. Bah ouais, t'es désolé, mais bon... Réfléchis quand même la prochaine fois. Donc bon. Bref, continuons. Sweet Canyon. Bah. Du coup, je suis à peu près du même acabit concernant Waterpark. Je vais mettre ça dans correct aussi. C'est une map où il y a quelques strats à faire. Mais bon. Si je devais choisir entre Waterpark et Sweet Canyon. Bah ça serait plus quand même Waterpark, voilà. Enfin, map gâteau, hein, bon. T'as pas envie d'être obèse. C'est tout. Mais enfin. Ensuite. Temple Tomb. On va mettre ça. Ouais, je suis pas fan. Même si je suis conscient qu'il y a quand même quelques strats à maîtriser. Je suis pas fan de la map, donc je vais la mettre en bof. Écoutez, voilà. Bon, peut-être devant MKS, hein, y a des limites. Donc, voilà. Attendez. Hop. Voilà. Ensuite. Mario Circuit. Alors, je suis désolé, mais... j'ai un problème avec la map. Je l'aime pas. Genre, pour moi, c'est en fait une map de base... mais quand même KS en pire quoi. Donc bah voilà quoi. Je veux pas ça. Donc ouais. Ensuite TH. Je sais pas. Je la mets dans correct. C'est quand même une map où comment? Il y a quand même quelques strats à faire. C'est une map plutôt un run. Et puis bon, c'est sympa avec les trams et puis voilà. Hop. En fait, les maps 2014-2015, ça fait tellement qu'on les a que bon, j'ai du mal. Bah. Oh. Je sais plus ce que j'allais dire. Bah, ouais. Oui, c'est vrai que bon. Comment dire? Les maps qu'on a depuis 2014-2015, bon, ça fait un petit peu tâche. Mais bref, après, on va mettre ça. Je vais mettre ça dans. J'aime bien quand même. C'est une map que. Attendez, je gère juste un truc. Juste. La 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 la.
Hop. Voilà. Coucou Nikos, comment ça va? La 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 la. Coucou à toi. Oui, Elia. Sinon, je vous banne tous. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. Enfin, peut-être qu'il y en a certains, pour ceux qui sont intelligents, ont compris. Mais voilà. Mais bref. OMG Kyo. OMG la Kyo. Merde. Comment ça va? Merci. Vous savez, comment? Juste. Parfois, on se prend des. Comment dire? Des remarques auxquelles on ne s'attendait pas. Et, bah. Les gens peuvent parfois ne pas se réfléchir. Et, bah, le truc, c'est que ça peut faire mal, surtout en stream, quoi. Donc, bon, voilà, juste, c'est ça, en fait. Mais, on est quand même, je pense, des personnes qui réfléchissons. Je sais ce que je fais et tout ça, donc, bon. Avant de dire certaines choses, bah, il faut réfléchir, quoi. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Enfin bref, la parenthèse est refermée. Go next, parce que j'ai pas envie de rester sur ça. Bah oui, complètement Q. Je sais, mais juste, te prendre ça comme ça d'un coup. Bon, c'est pas très très agréable. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait alors que je fais tout bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal alors que je fais tout bien? Enfin voilà. Mais enfin bref. Mais oui, tout va bien, tout va bien. Sinon, le reste, tout va bien. C'est nickel. Mais ouais. Bah ouais, je m'attendais pas à une réaction comme ça, c'est tout. Mais voilà. Après, je me dis que ça va réfléchir et tout. C'est vos vies, ça ne regarde que vous. Faites rien d'illégal et ceux qui ont quelque chose à dire vont se faire voir. Point. Oui, exactement. C'est sûr, on n'a rien à se reprocher. On a complètement heureux ensemble. Voilà, c'est tout. Et on le sait, nous de nous-mêmes. Donc voilà. On restera toujours liés. Que ça emmerde les autres, vraiment ou pas, on restera toujours. Voilà. C'est tout. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que bon. Maintenant. TM. Coucou Inelf. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous ferez de belles choses à deux. Je t'en remercie, Asmon. Je t'en remercie beaucoup. Il y a mon chat qui a dit miaou. 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 Oula. J'ai fait un petit peu plus grave. Je sais pas pourquoi. Bon. TM. C'est une map beaucoup jouée, mine de rien. Tes goûts approximatifs. Ouais. Ouais, on va se battre. Hein. Tu vas voir. Approximatif. Oui. En plus, ça oublie une lettre, hein, tu sais. TM. Bah, vraiment, c'est une map que j'aime beaucoup jouer. En termes d'ambiance, je l'aime bien. En termes de strat en TT, je l'aime beaucoup. Et même en termes de lounge, war et tout ça. Bah, je la trouve stylée, donc. Alors, c'est pas non plus banger absolu, mais vraiment coup de cœur. Voilà. Je regarde ma petite Elia à moi. Hop. Non mais. Oh putain. Oh mon dieu, la gueule qu'il fait. Il te miaoue aussi, Clément. Il nous miaoue tous. Après, attention, hein, il miaoue
pour ceux qui le méritent. Ensuite, SGF. SGF, Inmiaou m'a... Oula, attention, tout de même. Pas attention. SGF. Bah... En vrai, c'est presque coup de cœur parce qu'il y a une époque que je la jouais beaucoup. Étant donné que j'étais surtout à la CB. On la jouait beaucoup, je me rappelle. Clin d'œil à eux. Hein. Mais après, bon... c'est pas une map où je suis le plus à l'aise en War. En termes d'ambiance, par contre, je l'adore. Mais juste à la jouer, elle est pas non plus si ouf pour moi. Mais malgré tout, je vais la mettre dans J'aime bien. Voilà. J'aime bien, hein. Donc bon. Voilà. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, les tier list, enfin le nom des tiers, c'est Banger Absolu. Coup de cœur, j'aime bien, correct, bof, j'aime pas. Et comment on peut aimer ça? Voilà. Ensuite, Lagon Tourbillon. Alors Lagon, je l'aime bien aussi. Un petit peu comme MGF, je l'ai joué beaucoup avant, mais voilà, il m'arrive des trucs toujours pas très très cool sur cette map. Je sais pas, j'ai beaucoup moins de feeling qu'avant. Après, je sais pas, dans mon ancienne tier list, je sais plus comment je l'avais placé. Je vais la mettre dans correct. Donc voilà. Ensuite, je vais despawn, je pense, big problème encore, je vais me poser. Ça marche, Elia, vas-y. Dis-moi si jamais il y a un quelconque souci. T'inquiète. Tu me dis, hein, surtout, vraiment. Club Mario. On va mettre ça dans... Bon, en fait, maintenant, c'est j'aime pas. Je vous jure, maintenant, c'est une map que j'aime vraiment pas. Alors, l'ambiance est correcte, mais les strats à faire et le fait de la jouer en lunge et en war, bon, c'est pas fou. Allez, ça va dans j'aime pas. Ensuite. MW, bon, je l'aime beaucoup. Après, c'est pas non plus en banger absolu, mais je maîtrise beaucoup la map et juste le design de la map, elle est vraiment cool, vraiment d'un point A à un point B, et elle est très très cool à parcourir. Donc go dans coup de cœur. Allez. Go dans coup de cœur. Voilà. Ensuite. MW trop bien. Ouais, je l'aime bien, je l'aime beaucoup aussi. CC. Vous attendez peut-être CC, hein. Évidemment, est-ce que elle est toujours en banger absolu? Est-ce que elle est redescendue dans mon estime? Et bien suite aux dernières mises à jour qu'il y a eu, j'ai dans le regret de vous annoncer, je pense que ça va plaire évidemment aussi à Kyo, que maintenant, je la déteste vraiment. Mais vraiment, c'est une map de merde. Dès le début, on se fait bump et tout ça. Et malheureusement, eh bien je rigole, c'est dans Banger Absolu. non mais elle reste trop bien, faut pas déconner, on est haut. Ah là là, tu m'as fait peur. Bah oui, c'était le but. J'ai besoin de taquiner, j'ai besoin de rire là. En plus la musique de Super Mario Galaxy. Oui mais de toute façon à la base cette map, je l'ai tété. À cause de son ambiance, vraiment. Et c'est pareil pour la plupart des maps qui sont arrivées dans les DLC. Hein. Je les ai tétés avec leur ambiance. Et bon, après, il s'est avéré que c'était des maps souvent très,
très décrié, enfin, assez, qui divise assez comme Gore Champignon, Dojo Ninja et Epic Deka, hein, on y reviendra. Mais voilà. Pourquoi ton chat est bug? Ah ouais, il bug? Ah bon Ah, mais non, mais c'est parce que j'ai... Attends, il bug pas. C'est juste que voilà, en fait, j'avais réduit le chat. Je l'ai rogné, oui. Ouais, je l'avais rogné. Mais j'ai pas besoin de le rogner en soi. Ok, my bad. Oui, t'inquiète. Tant mieux que je sois une grognasse du coup. Pic des cas, c'est ma maf. Oui. Attendez, juste, je réponds à un petit MP et je suis à vous. Voili voilou. Hop. La 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 la. Voilà. Donc, ensuite. Canon. Ensuite. On en était où du coup? Que je m'y remette. On en était à tout sec. Ah bah tout sec, vraiment. Vous le voyez hein, en lounge. Je la vote tout le temps. Quasiment tout le temps à chaque lounge. Donc bah voilà. Et j'aime beaucoup les stratas à faire. Et l'ambiance de la map est top. Pour ma part en tout cas. Donc ça reste en banger absolu. Je me rappelle que je l'avais déjà dit tout en haut. Mais ça reste là-dedans. Coucou Jask, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bref, disons que tu aimes autant Gogo que Nikos. Enfin vrai. Tiens. Mais je ne savais pas. Alors, ensuite, Bowser Castle. Bowser Castle, Château de Bowser, je suis pas le plus fan. Y a des strats sympas à maîtriser. La map, comment? L'ambiance de la map est cool. Mais après, bon, vraiment, en comparant avec les anciens châteaux et les anciens, et juste plus particulièrement les autres maps, bah, je suis pas emballé. Donc, je vais mettre ça dans... Entre correct et bof. Je vais mettre quand même dans le premier des bof, voilà. Ça va et toi? Ouais, ça va, Jask. Ça va. Les épingles mousse. Ah, mais attends, j'avais pas vu l'épinglage. Hop. Hop. Tatatat. Ensuite, RR. RR. Bon, maintenant, Haute Arc-en-Ciel, c'est pas la map que je joue la plus. Mais ça fait partie des maps que je pense que j'apprécie un peu plus par rapport à la plupart des gens. Juste, en fait, j'aime bien. Me demandez pas, mais j'ai un bon feeling là-dessus. J'ai toujours eu un bon feeling sur la map. Je fais souvent de bonnes places, même si je la joue assez rarement. Après voilà, de là à être un coup de cœur ou banger absolu, faut pas pousser mémé. Hein. Donc mémé restera ici. Voilà. Ensuite. Meme. Ah bah meme, c'est vraiment devenu une map que j'adore à TT. Vraiment. Que j'adore TT. J'adore la jouer en War, même en Lounge. Parfois. C'est vrai que je la vote pas forcément en Lounge. Mais bon. Je pense que Meme maintenant. Avant c'était peut-être là, voire là. Maintenant je pense que ça serait carrément premier des coups de cœur. Voilà. Donc Meme je l'aime beaucoup. SGF aussi haut. Ça te pose un problème, Jask. J'ai l'heure que je fais à manger. Vas-y, bon app. Enfin, bon app en avance, Asmon, ça marche. Alors, Kyo, du coup, je fais en fonction de l'ambiance de la map, en fonction
de co de si je l'aime bien en Lunge et en War, et en fonction des strates intéressantes en TT qu'il y a à faire. Voilà, du coup ça fait quand même pas mal de paramètres, et bah je fais un global de ça. Même si après c'est écrit j'aime bien, j'aime pas et tout ça, c'est en fonction de ça, voilà. Trop de paramètres OMG. Oui, toi je sais juste Kyo, je sais juste que ça serait en fonction des strats évidemment, parce que tu es une bien belle pure, putain. Du coup, c'est quoi les strats de Pré-Rikaka? Comment ça, Pré-Rikaka? Non mais Clément, là, mais ça va pas bien. Ça va pas bien, écoute. Mais bref. RMC. Non, on passe déjà au map rétro. RMC. Bon, c'est une map pas bab que j'aime plutôt bien. Alors, de là à l'adorer. Non, mais ça va. En vrai, ça va. It's ok. Je l'aime plutôt bien, donc... ça passe bien. Ça passe plutôt bien. Donc voilà. It's ok. Je l'aime bien. Ensuite, Ship Ship. Ship 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 Ship. Est-ce que vous aimez les poissons? je vais la mettre dans correct. Je vais pas la mettre dans bof parce que c'est une map que j'aime plutôt bien. Elle a pas non plus grand chose pour elle, mais je sais pas, c'est l'ambiance reposante que j'aime bien de Ship Ship. Donc ouais, cherchez pas à comprendre. Ça va aller dans correct. Autoroute Todd, bon. J'aime pas. Ah, j'aime pas. Hein. J'aime toujours pas. Ça, je suis désolé, hein, mais c'est compliqué, autoroute. Ça changera pas trop. En fait, le truc, c'est que y a pas de strat. En War Lunge, t'es assez dépendant des premiers bumps que tu vas te prendre. Et j'aime pas les items, comment ils se déplacent. Du coup, voilà. J'aime pas. C'est tout. Sec sec. Alors, c'est vraiment un... J'aime pas non plus. C'est une map à bague ok par excellence. Même si maintenant, elle est moins votée. Mais je l'aime pas. Voilà, Je la trouve sans âme, en fait, c'est tout. Donc, voilà. DP3. Chip Chip, quelle merde, je suis poisson, mais horrible map. Ah, oh non, ça ne correspond pas. C'est que personne la joue. C'est vrai que maintenant, personne joue cette map, vraiment, hein. Genre, c'est assez terrifiant. C'est vraiment assez terrifiant. Hein. DP3. Je vais la mettre dans... J'aime bien. Ouais. Je l'aime plutôt bien, DP3. En vrai, je pars souvent en run là-dessus et ça se passe... assez bien. Donc voilà, DP3 ça va aller là, j'aime bien. Et puis même en termes de petites strats à faire, même si elle est courte, elle est plutôt sympathique. Notamment le Nisk, évidemment. Hein. Autodrome Royal, non. Désolé, j'aime pas. Voilà. Il y en a, ça va aller vite. Hein. Forêt tropicale. Je l'aime beaucoup, hein. Map de singe, on n'oublie pas, hein, si Gédéon TMTC, hein. Ah ouais. Elle est bien, mais elle est bien autodrome. Ouais. Ouais, je sais pas. J'aime pas. Il monte cher, mais on va se battre. Hein. Je vais me transformer en singe, vous allez voir. Bon, forêt tropicale, banger absolu. Allez, hop.
Cependant, derrière vous, Céleste est tout sec. La raison est simple. Les bumps sont un peu plus gênants sur cette map. Du coup, voilà, j'aime toujours beaucoup la map, mais je l'aime un poil moins maintenant. Voilà. Non, mais je l'aime moins. Mais voilà. On continue. On continue du coup. Stade Wario. Stade Wario. On va mettre ça dans. J'aime bien. Et oui, j'aime bien, mais pas plus. Je pourrais limite la mettre dans correct. Mais après, c'est vraiment une map que j'ai poncé en TT. Peut-être pas le plus, mais que j'ai vraiment bien tryhard. Que. Bah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Un petit peu, quoi. Malgré moi. En vrai, je la vote vraiment pas énormément quand je la demande en lounge. Mais bon. Ce qui me fait dire que je la mets pas plus haut, c'est vraiment quand t'es dans le pack, c'est horrible à remonter. Et du coup, voilà. Donc je vais la mettre dans j'aime bien, mais voilà, c'est pas un j'aime bien énorme, mais ça va. Donc je vais la mettre dans j'aime bien, mais bah, je vais la mettre là à peu près. Non, je pense que DP3 je la mets là. Ok, je pense que je fais ça pour bien vous trigger. J'ai mis DKG 83ème et 94ème RWS. T'inquiète hein, Clément, ça me trigger pas du tout. Cher Bethland, Royaume Sorbet. J'en connais qui aiment bien cette map. Attention, comment on peut aimer ça? Ah, je sais pas. Hein. Je suis désolé, hein, mais non, je rigole. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. J'adore. J'adore vous provoquer des réactions comme ça. Je suis désolé. Non, en vrai, je l'aime bien. Il y a quand même des strats à maîtriser. Et surtout, j'ai fait une chanson de Noël dessus. Je n'oublie pas quand même. Je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien, vraiment. Donc voilà, je la vote jamais. Mais je l'aime bien. Je vais la mettre, je pense, ici. Ça me paraît raisonnable. S'il te plaît. Ah bah, t'inquiète. Hein, j'ai pas fait en fonction de ton s'il te plaît, Clément. Mais t'as de la chance. Je l'aime assez bien. RMP c'est vraiment devenu une map que j'aime énormément. Je pense que avant elle était dans la deuxième tier list. Et ben maintenant, je l'ai retêté récemment en vrai. Et je suis genre en 1.54.0. Et juste j'adore la map en fait. Donc voilà, ça va maintenant en banger aussi RMP. Incroyable. Merci Lakio pour les chansons hein, évidemment. Merci beaucoup. T'inquiète Clément, je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce que je dois te faire aussi. Yoshi Valley. Je suis pas le plus fan de Yoshi Valley. Je vais la mettre en bof. Je vais la mettre en bof parce que. Ouais. En soi, le design de la map est cool. Cool avec tous les chemins. Mais il n'y a pas non plus des strats incroyables à faire. Ouais. Je suis pas le plus fan. Je vais mettre en bof, mais en vrai, ça va, je l'aime. Je l'aime bien par rapport à tous les autres bofs, quoi. Est-ce que tu dois me faire attention, hein. non, Clément. non, mais... La chanson. Eh, tu crois que j'ai oublié? Petite chanson pour... comment? C'est mon festif. Ah non, mais attends, c'était pas pour Didi plutôt? Je sais plus. Non, c'était pour toi. Ou c'était pour les deux peut-être. Tic-tac. Tic-tac. Ça fait partie des maps où j'ai le screen et l'épreuve. Oh oui, à ce point-là. Ça fait partie des maps que j'aime maîtriser. Didi et moi, oui. Ok, nice. Ça sera fait avant Noël 2024, du coup. Comme tu me l'avais dit aussi. C'est une map que j'aime bien, René, jouer.
je la vote pas non plus énormément. C'est assez rare. Mais je l'aime beaucoup. Donc coup de cœur, je pense. Devant MW, mais derrière TM et Prairie Meumeu. Voilà. Plante Piranha. Enfin, égout Piranha. Plante Piranha, n'importe quoi. J'ai des fous, oui. Ouh. c'est une map que j'ai appris à aimer avec la WF, avec les Inwarl. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Je vais la mettre, je pense ici. Voilà. Elle est correcte. Mais je suis pas le plus fan. J'aime bien les strats à faire, même si elles sont un peu chiantes parfois. Mais ça va. J'ai appris à la considérer, on va dire. Voilà. Volcan. Volcan. Vous savez, j'adore Volcan. Même si je la trouve un peu plus... je la trouve en fait son défaut, Volcan, c'est que c'est un petit peu random. Même si tu peux prendre des drafts au début. Dans l'ensemble, c'est une map assez random où il peut se passer pas mal de choses. Hein. Donc le truc, c'est que je l'aime toujours beaucoup avec son ambiance. Et coucou gentil pingouin, j'espère que tu vas bien. Mais avant, elle était première, voire deuxième. Maintenant, je la mettrais genre plutôt ici. Alors, ça reste toujours un banger. Mais voilà, c'est un petit banger pour moi. C'est pas un gros banger, mais c'est un petit banger. Ensuite, RR64. Pff, j'ai vraiment du mal avec cette map. Je sais que maintenant, elle est énormément votée en compétitif. Surtout en War. Et notamment avec la strat antenne plus gyro. Mais vraiment, pour moi, c'est bof. Hein, je vous jure. À la limite de j'aime pas, mais voilà. Je vais la mettre ici parce que voilà. Ensuite, Yoshi Circuit. Yoshi Circuit. Circuit Yoshi. Map à bague également. C'est pas une des maps que j'aime le moins. Du coup, vous allez en déduire que c'est pas une map que j'aime le plus. Hein. Je vais la mettre dans bof, mais ça restera quand même devant Yoshi Valley. C'est une map quand même assez cool à parcourir, parce qu'il y a quand même pas mal de petites strats à maîtriser, donc voilà. DEA, vous savez mon amour pour DEA en lounge, hein. Même si j'ai de mauvais souvenirs sur cette map, avec ce que j'ai vécu hein, sur certains tournois, eh ben, je pense que ça passe de j'aime pas à bof. En fait, je la mets ici parce que, mine de rien, il y a des maps à... Enfin, il y a vraiment des strats à maîtriser. Mais voilà quoi... Je suis pas non plus le plus fan. Je suis pas en mode réfractaire de DEA, mais voilà. Tu prends trop cher sur cette map. Ouais, mais vraiment, hein. Vraiment. C'est vrai qu'il m'arrive quand même beaucoup de dingueries. Je pense que vous allez me convaincre pour la mettre plus bas. Mais en vrai, elle est bien là. Je pense ça actuellement. Bon, voilà. Attendez. Hop. Dragon Drift Way. Route du dragon. Où je la mettrai? Bah, avec les strats qu'il y a, et notamment le Nisk, elle va aller assez haut. Alors, pas non plus hyper haut. Le souci qui me gêne, c'est surtout les bumps qu'on se prend. Du coup, voilà. Ce qui limite un petit peu... comment? Le fait que je la mette plus haut, quoi. Après, j'aime beaucoup aussi l'ambiance de la map.
Donc, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je vais la mettre ici, je pense. Dragon plus fort que la glace, même si c'est pas vrai. Voilà. Ensuite, Mewtwo, ça va ici. Minwario. Minwario. On évite les sujets qui fâchent. Minwario, Minwario. Bonsoir tout mec, comment ça va? J'adore. J'adore changer de sujet. Enfin, changer de sujet. Enchaîner comme ça. Explique STP Linkos. Ah, c'est bon. Je peux refaire. Je vais refaire un. Mon. Comment? Mon monologue. Mute City. C'est une map où on passe son temps à. Accélérer. Donc voilà, les champignons ne servent à rien. Tu fais du tout droit. Ouais, c'est super, on fait du tout droit. Waouh, c'est génial. Les bandes de pièces, enfin pour récupérer des pièces du coup, sont disposées de manière assez calamiteuse. Hein. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il y en a très peu. Ensuite, quand tu fais le nisque, bah tu le rates 9 fois sur 10. Hein, alors que tu sens que tu vas le faire parfaitement. Et elle est mal designée pour être joué en compétitif. C'est tout. Je suis désolé. En casu, ok, vous pouvez l'aimer, mais non. Il n'y a pas de strat intéressante à faire là-dessus. Et puis même, le nom de la map, Mute City. Donc bon, on mute la map en fait. On n'en a rien à faire, tout simplement. Vous trouvez que je suis de mauvaise foi? Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Voilà. Ça va, vous? Argument de taille. Oui? Mais non, mais... Attends, Kyo... Toi, fais gaffe. Hein. Des menaces? Non, mais oh, masse bagarre. Voilà, j'ai expliqué. Puis même, c'est chiant, les bumps en antigravité. Je sais pas, ça va pas. Si on se bosse, je vais gagner. Ouais, mais sache que j'ai pris des cours de judo, de... Comment? De sport de combat, en fait, tout simplement. En fait, je me suis bien entraîné. Plus, je suis allé à la salle, du coup. Muscle cause. Et, malheureusement, du taekwondo. Ah, bon, ok. Moi aussi, évidemment, mais je te l'ai pas dit. Voilà. Tier list pour le moment, parfait. Sauf RMP qui devrait être à côté d'autoroute. Oh! Incroyable pour toi, Maël, si ça te plaît. Après, RMP, voilà, je l'aime beaucoup. Bon. Viens, viens me tester. Tu es ma testeuse. Tu es. On va voir si j'ai le niveau. Putain, je te jure. Hein. Bon, allez, continuons. Et coucou Kerners, bienvenue à toi sur le stream, j'espère que tu vas bien. Linkos in shape, OMG, je sais. Linkos in shape. Incroyable. Hop. Piste musicale est cool, mais la musique atroce. Ouais, oui, c'est ballot, oui. Donc... Minwario, c'est pas une map incroyable, j'aime bien l'ambiance. Les strats qu'il y a à faire, c'est pas un ouf. C'est pas ouf, et puis même, elle est pas énormément votée. Malgré ça, j'aime bien l'ambiance de la map, et juste le décor et tout ça. Je vais la mettre dans bof. Genre ici. Voilà. Énorme et sec. Et secos. Je suis secos. D'accord. Je suis secos. Très bien, très bien. Ensuite, RR SNES. Piste musicale est cool, mais la musique atroce, c'est ballot. oui. Tu la trouves atroce, la musique? Tout. Après, ok, oui. Ok, je t'avoue, Clément. C'est pas non plus la meilleure musique. Mais voilà. Je l'aime bien, moi, perso. Juste l'ambiance, peut-être pas la musique. Je l'écouterai pas 10 heures, mais voilà. Il l'a déjà lu.
De quoi, Linko's in shape? Ou tu es énorme, mais c'est... Attends. Ah non, ton message, Clément. Mais j'ai toujours tendance à relire des messages. Et ça, bah voilà. C'est, j'ai toujours tendance à faire cette... Mon message sur RMP, oui, ok. Non, mais en fait, je veux être sûr de répondre. Parce que je suis traumatisé des messages que je ne réponds pas en mode « Tu as pas vu mon ligne... tu as pas vu mon message Linkos ?» oui, bah oui, je réponds. Eh oui, j'ai des traumatismes. Trauma, rien que ça. Ouais, je te jure. Ah non, mais bon, tu sais... Tu sais, il y en a qui ont déjà boudé pour ça, hein. Vraiment, et après, bah... Moi, j'aime pas quand les gens, ils sont mal, forcément, donc, bah... voilà, c'est tout. Après, ils vont croire que je les ignore, mais c'est juste que, bon, bah, je suis comme ça, et parfois, ça m'arrive de d'oublier des messages. Enfin, ça, pour les nouveaux, je peux comprendre, mais pour ceux qui me découvrent et qui me suivent depuis un moment, bah... Il devrait être habitué. C'est toujours pas ton problème. Oui! Je suis humain, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un pro. Je vais pas, je fais pas streamer à temps plein. Je fais streamer à temps de plaisir. Voilà. Et oui, ça c'est important. Même si j'aime beaucoup. Il n'y a pas à se vexer pour ça. La personne peut renvoyer son message et voilà. Mmh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci Kyo d'avoir dit le terme. SNESRR. SNESRR. Oh, bah, je suis pas fan non plus, hein, je suis désolé. Hein. Je suis pas fan non plus. J'aime bien l'ambiance et le design de la map. Il y a vraiment une refonte. Hein. Mais après, avec tout ce qu'il y a à faire et tout, avec les bumps, les tombes parfois qui se mettent mal, bah, je suis pas fan, quoi. Je pense que je vais la mettre à peu près ici. Non, même ici. En vrai, j'aime mieux SNESRR que Château de Bowser. Voilà. Toujours là pour speak. Ouais, non, mais je te remercie, Kyo. T'es... Depuis 2 ans, vraiment, Kyo, t'es... Toujours là, vraiment. Ça fait trop... Trop plaisir. Les tombes qui me font tomber dans le vide. Non! Non, Elia! Non. Oui, j'avoue! Oh! Mais bon, je sais pas si t'as un clip. Si tu veux. Si jamais tu veux que je montre le clip. Mais mon dieu! mon dieu, mon dieu. Le bug qui t'est arrivé, même moi, ça m'était jamais arrivé. Hein. Donc ouais, voilà. Station Glagla. Station Glagla. C'est une map que j'aimais plutôt bien avant. Mais je me suis rendu compte que vraiment avec les bumps et tout ça, elle était pas si ouf à jouer. Du coup, bah, malgré que je maîtrise les strats et tout ça, je suis pas hyper fan, quoi. Pas hyper fan, donc ça va aller dans bof aussi. Voilà, vas-y, je regarde. Ah, oh, merci. attendez, je vais hop. Ah bah, vous avez vu, c'était ça s'est téléchargé. Je vais vous montrer le clip qu'il y a eu sur SNESRR. Vous allez être en mode mais wesh. Hop, attendez juste. Je fais le petit... Enfin, je réponds... Je réponds MP. Et je suis à vous. Hop. Voilà. Alors. Juste, du coup, je vais vous montrer le clip. Hop, avant de continuer. Et vous allez voir, vraiment. Vous allez voir... hop. Alors, j'ai peur que le son aille fort assez d'un coup, mais bon. Regardez-moi ça. Attention à vos oreilles. Désolé. Ah, c'est bon. Hop.
Voilà, voilà. Super. Je vous le remets. je vous le remets. Je l'ai vu en live, je crois. Ah. Moi actuellement. T'inquiète. Je vais tendre mon bras. It's okay. It's okay, Elia. On va gérer. Ensuite. On continue. Circuit d'Hyrule. Circuit d'Hyrule, ça reste une map que j'aime énormément. Attendez, hop. Alors là, je suis obligé de commencer à remonter. Je vais la mettre dans coup de cœur. Coup de cœur qui va, je pense, ici. Mais ouais. Même si, regardez, même si Meumeu et TM, c'est plus des maps mid. Je les aime quand même mieux que Circuit d'Hyrule. Donc voilà. En fait, Circuit d'Hyrule, le truc, c'est que... Il y a pas mal de choses qui me gênent en vrai. Mais voilà. Même le Nisq, à la fin, ça, c'est toujours le bordel. Donc voilà, c'est relou. Merci Anki, t'aime pour ton follow. Merci à toi. Bienvenue sur le stream. J'espère que tu vas très bien. Je te souhaite le bienvenu. Ensuite, continuons. Baby Park. Bon. Voilà, hein. Merci, ça va, et toi? Nickel. Je fais une cheerlist 96 map. Donc voilà, petite cheerlist 96 map qui se base en fonction des strats qu'il y a sur les maps, de comment je la joue en compétitif et aussi de l'ambiance générale de la map, que ce soit son décor, sa musique et ce qui englobe. SA, ah, pourquoi il y a SA ici? Je sais pas pourquoi. Bon, il y a SA ici, mais pourquoi pas. SA, c'est une map que j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais je pense que SA, c'est la map que j'aime vraiment bien, sans pour autant l'adorer. Ça serait peut-être la map que je voterais si toutes ces maps-là ont été votées. Mais voilà. C'est une map, on va dire, pour ma part, assez simple. Même si, bon, il y a quand même pas mal de strats à maîtriser. Mais voilà, c'est une map qui passe bien. C'est aérien. Cheeseland, bon. Un peu comme Desert Sec. Je vais mettre dans bof, hein, voilà. Elle est plus du tout jouée également compétitif. Voire assez peu. Je vais la mettre. Est-ce que j'aime mieux DE ou Cheeseland? Je pense que j'aime mieux Cheeseland. Par contre, MKS, je vais la mettre là parce que j'aime mieux les trois maps ici. Quoique, je vais mettre la seule du coup. Voilà, je fais quelques petites rectifications aussi. Wildwoods, passage feuillage, c'est pas une map que j'aime particulièrement. Enfin, je l'aime bien, mais bof, quoi. Alors, passage feuillage. En termes d'ambiance, elle est cool. Mais... Je sais pas. C'est une map où on a du mal à rattraper le top, puis il s'enfuit souvent. Il n'y a pas non plus des strats incroyables à faire sur la map. Juste, j'aime bien le design de la map et l'ambiance. Mais sinon, c'est tout. Je vais la mettre dans bof. C'est pas catastrophique pour moi, mais je vais la mettre dans bof. Je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Station Glogla, ça va rester là. Voilà, ok. Tracé atroce. Ennui total. Ensuite, Animal Crossing. Je vais la mettre. Je vais accélérer un peu, il est 20h25. Je vais voir à 21h. T-
Je vais mettre Animal Crossing dans bof également. Excusez-moi, hein, mais bon. Alors, ok, c'est bien hein, les 4 saisons. Ça varie un petit peu le gameplay, mais c'est pas non plus incroyable. Il n'y a pas des masses de choses qui changent. Après, c'est Animal Crossing, hein, c'est cool, mais voilà. Je suis pas plus attiré que ça. Je vais mettre ça dans bof et je vais le mettre ici. Koopa Poly, j'aime beaucoup l'ambiance de la map. J'aime beaucoup la map. Je pense que je vais la mettre dans j'aime bien. Sa musique. Son design. Ce qui est un peu gênant, c'est que ça glisse et c'est étroit, mais après c'est la particularité de la map. Et en War ou Lounge, j'aime. Ça me dérange pas de la jouer, mais je suis pas en mode je vais la voter. Je pense que Koopa Poly, je la mets ici. Ce qui reste correct en soi. L'unique map du jeu où il pleut. C'est vrai ça. C'est vrai, ça manque un peu quand même des maps où il pleut. Ouais, j'avoue. Tu sais quel véhicule jouer si j'ai pas le quad nounours? Ouais, bah tu peux jouer la Paracoccinelli. La scoutinette aussi. Le Wiggler, même si maintenant il est beaucoup moins joué. Ou la moto standard, mais voilà. L'Autorino peut se jouer aussi. Là, je t'ai à peu près cité tous les véhicules assez viables. Mais voilà, Anki. Et si tu te poses la question pour les rollers, lapsus, pour les roues, joue la plupart du temps roller. Vraiment, c'est ce qui te sera le plus efficace. Ça procure pas non plus un grand boost de vitesse, mais c'est surtout pour les mini turbos. Ça fait toute la différence dans ce jeu, vraiment. Il manque circuit de la GBA. Ouais, c'est vrai. Je vois très bien, elle est vraiment cool, le circuit de la GBA. Route Ruban. Je la joue de temps en temps. Je vais la mettre dans correct. Je suis pas en mode je l'aime bien de fou, mais je vais la mettre dans correct. Coucou Z Team, comment ça va? Je vais la mettre dans correct. Malgré qu'il puisse nous arriver des dingueries en War et en Lounge. Hein, parce que bah. Surtout vers la fin de la map, hein, avec les vagues, tout ça, les bumps. J'aime bien l'ambiance de la map et j'aime bien le tracé, donc voilà. Métro Turbo, ça va ici et ça ne changera pas. Big Blue. Big Blue. Je suis pas fan. J'aime bien l'ambiance de la map, mais je suis pas fan. Parce que c'est trop aléatoire à partir de la fin de la map. Tu sais jamais quand forcément activer les dodges ou pas. C'est un peu trop chiant. Je vais la mettre ici, Big Blue. J'aime beaucoup le reste, toutes les strats, mais juste le fait qu'il y a le canon plus. Plus les items. En plus, tu te fais bump quand tu prends, quand tu fais les nisques de fin. Je suis pas le plus fan, quoi. Et elle est un peu étroite vers la fin aussi, donc. Voilà. Métro. Métro Turbo incroyable. Non, mais ça suffit. Non, mais je peux pas, Métro, je suis désolé. C'est comme ça. On passe au map DLC. Map DLC. Let's go. Alors, Paris. Paris. On va aller sur... je pense... Sur du j'aime bien à correct. Je pense que ça sera plus correct, Paris. Même si elle est beaucoup votée en lounge de temps en temps, mais surtout en war, surtout à la WF en vrai, je suis pas le plus fan parce que c'est vraiment une map où c'est compliqué à remonter, même si le choc peut être assez efficace là-dessus. Je suis pas le plus fan. Je vais mettre ça dans correct. Puis bon, on a compris hein, l'ambiance de la map. Dun.
sais comment je pourrais apprendre Mario Kart 8 Deluxe rapidement pour le lounge. Pour apprendre, tu veux dire... maîtriser les strats ou jouer en lounge. Je comprends pas très très bien ta question, Anki. Tu peux mettre ta cam en haut à droite. Bah, en vrai, je vais la laisser là, ça gêne pas non plus énormément. De toute façon, je vous remontrerai... comment dire... bah, les choix que j'ai fait. Je vous ferai un screen et tout ça. T'inquiète pas pour ça, Zen Team. RE Asmon. Oui, ça va bien. T'inquiète pas, ça va bien. Hop. Bah, je te fais la commande pour le lounge, du coup. Anki. N'hésite pas à check. N'hésite vraiment pas à check. Et en soi, ça te servira pour vraiment t'améliorer au niveau individuel. Mais si tu débutes vraiment, je te conseillerais de faire quand même du time trial et connaître la plupart des maps un minimum. Les strats basiques au moins. Parce que sinon, tu vas vraiment souffrir en lounge et tu vas pas suivre. Même si pour le coup, le lounge, ça ne se résume pas qu'au run, mais vraiment, voilà. On reprend. Bon, circuit Toad. Je suis désolé, hein. Mais. Voilà, elle est tellement jamais votée, circuit Toad. Bon, je vais la mettre là. Hein. Je vais peut-être la mettre là. Parce que c'est une map à bague que je déteste pas, mais. Pff, mais voilà, quoi. Sans goût. Ouais. Bah, c'est une map basique. Hein. C'est une des premières maps de MK7 en soi, donc. Donc voilà. Pour les maps du ma. Pourquoi je dis du ma? Je suis d'accord en vrai. Bah. C'est mon avis, hein, perso, mais voilà. Ça sera toujours mon avis, hein. Ça. C'est pas une tier list objective, évidemment. La toute première de MK7 d'ailleurs. Oui. Mmh, bien vu. Bien vu, Clément. Choco Mountain. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance de la map, vraiment. Je vous jure, j'aime énormément l'ambiance de la map. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc, ce qui fait que ça crée un équilibre. Et que, pour ma part, je vais la mettre dans correct. Même si elle peut être un peu chiante, quoi. C'est difficile de remonter sur cette map. Y a pas des strats ultra intéressantes à faire. Hormis peut-être la fin, mais bon, c'est anecdotique. Du coup, voilà. Je vais la mettre dans correct. Et je vais la mettre ici. Ouais, c'est un peu sans plus. Ouais. De toute façon, je suis d'accord qu'elle n'ira pas plus loin que correct, hein. Voilà, je vais la mettre... Non, là, elle est bien placée. Attends, hop. Ah, mets-toi là, merci. Coconut Mall, ben, je l'aime plutôt bien avec les strats qu'il y a, l'ambiance de la map. Et je l'aime plutôt bien, Coconut Mall. Je pense que je vais la mettre à peu près ici, voire ici. Franchement, je l'aime plutôt bien. Bon, je me rappelle de la première fois, hein, Coconut Mall. Je pense que... Je sais plus si je l'avais mis plus haut, plus bas. Peut-être plus bas. À cause des bugs et des finitions qu'il y avait. Maintenant, bah... Elle est plutôt agréable, même si... je maintiens quand même un petit peu le fait que c'est une map 8. Et pour une map 8, ça fait un peu bizarre quand on a joué Supermarché Coco sur 8. D'origine en fait. Et quand tu la rejoues sur MK8D, tu sens que c'est spécial quand même. Tu sens que c'est spécial. Voilà. Tokyo, elle est cool. Elle est vraiment cool. Je pense que. Ouais, par contre, je me suis peut-être un peu emballé. Je vais mettre Coconut Mall dans correct. Je vais la mettre ici. Tokyo, elle ira à peu près. Au même endroit.
Mais genre ici, j'aime bien l'ambiance de la map. Il y a pas des strats incroyables, mais j'aime beaucoup l'ambiance dans la map. Voilà. Correct. Donc elle reste correcte à mes yeux. Shroom Ridge. Shroom Ridge. J'ai pas non plus énormément d'avis. J'aime bien les strats qu'il y a à faire. Après, bon. C'est une map mid-bag. Où il peut se passer plein de choses. Malgré ça, c'est une map assez originale. Je vais la mettre dans bof, hein. Mais je vais la mettre dans le peut-être première des bofs. Parce que je l'aime. Je l'aime de façon ok, quoi. Je vais la mettre là, voilà. Sky Garden. Sky Garden, je me souviens, quand j'ai testé la map, j'étais assez déçu de la gueule qu'elle avait. Au final, maintenant, je l'apprécie assez bien, hein. Avec les strats qu'il y a à faire, mais je suis pas le plus emballé non plus. Sky Garden, je pense que ça va aller ici. Ouais, elle est bien, Aaron. Elle est bien, Aaron. Franchement, elle est bien. Mais je sais pas, je préférais beaucoup mieux. Merci Jason pour ton 21e mois. Merci énormément. J'espère que tu vas bien. Le co, j'espère que tu vas bien, mon grand. Oui, ça va. Et toi, mon grand également. Ça va bien, le grand va bien, t'inquiète. Il va bien et il fait une tier list là. Après, il va faire une war. On fait la tier list définitive des 96 maps, enfin. Mais ça va super, ça va, enfin, ça va bien, ça va bien. Voilà. Tracé ruiné, oh non, mais hey, ça va, hein, Clément. 12. Non, je rigole. Continuons. Dojo Ninja. Bah, c'est une map que j'aime toujours. J'aime bien en fait. Je me souviens en fait la tier list précédente des 80 maps. Je pense que je l'avais abaissé un petit peu à cause du target shot qu'il y avait encore. Quoique je ne sais plus. Mais elle remonte à nouveau dans mon estime. Elle repasse carrément en coup de cœur, voilà. Alors, peut-être pas le plus élevé, mais en coup de cœur comme ça. Parce que je sais qu'il y a des bumps et tout ça. Mais j'ai toujours adoré l'ambiance de la map et les strats qu'il y a à faire, donc voilà. Dojo Ninja, ça va ici. Ça va pas mal, je rentre du boulot tout juste. Et vive Mutiti. Eh, on va se battre, hein, Jason. Vraiment, hein. Je te jure. Tu rentres du boulot, mais... Attention, fais gaffe à toi. Petit 1v1, là. Hop. Mute City. Non, mais je sais ce qu'on va faire un jour. On va faire un 1v11 sur Mute City. Donc, voilà. Dojo Masterclass, on est d'accord. Ma petite Elia. Wesh la zone. Wesh Cormou. Comment ça va? New York, c'est pas une map que j'aime énormément. J'ai appris à la runner parce que bah il y avait pas le choix, mais c'est pas une map que j'aime énormément, je vous avoue. Donc je vais la mettre dans bof. Mais vraiment bof, bof ici, dans plutôt le bas tier des bof, quoi. Un jour j'irai à New York avec toi. Ah putain. Incroyable. Oula. Non, Cormou. Tu iras à New York seul. J'en déduis qu'on ira à New York, Elia. Oui, mais c'était pour la ref, oui. Mais après, on ira surtout dans tous les pays qu'on a listés, là. OMG. Ok. On emmerdera New York et on ira à Tokyo. Et exactement, c'est ce que je pensais. New York, du coup, je le mets ici. Donc voilà. Ici, ça ira très bien. Hop. Hop, continuons.
fossile. Tu te rends compte, t'es un fossile, Cormou. Eh, Elia, t'es une fossile aussi. Aïe, aïe, aïe. MDR, notre cheerlist. Comment ça, MDR, notre cheerlist? T'es de faux de moi, là? J'en conclus que t'aimes pas le lounge. Ah ouais? Pourquoi j'aime pas le lounge? Je suis un fossile. Ah, ça veut dire que tu as des fossiles? Ça veut dire que tu n'as pas de cils? Bref. Non mais, en vrai, ça veut pas dire... C'est pas parce que j'ai mis DEA en... J'aime pas que... j'aime pas le lounge, attention. Après, on va voir. Alors, BMC3, c'est une map que j'aime plutôt bien, en vrai. C'est une des maps pas que je préfère le plus. Après, de là à être banger absolu, on va pas pousser la mémé, hein. Mais je vais la mettre en correct. Mais vraiment correct, ici, quoi. C'est limite si je l'aime bien. Ça et quoi? Je vais même la mettre en j'aime bien. Allez. Voilà. J'aime bien le pseudo du Resub. On dirait qu'il te gueule dessus avec ses chiffres. Ah oui! Putain, j'avais pas remarqué. Jason Marley. 974! Bah oui, après, ouais, c'est la police d'écriture qui fait ça, mais. En vrai, c'est marrant. C'est marrant. Bref. Calimari, c'est pas une map que j'affectionne particulièrement. Je vais la mettre en bof, hein. C'est vraiment, ça va pas voler haut. Je vais la mettre ici. D'autres circuits, je vais la mettre là. Je fais un petit peu de... Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. BMC 3 cœur, monde glacé cœur. Oh là là. À chaque pape, on donne l'initiale. OMG. Alors, Stade Waluigi. Stade Waluigi. Vous pouvez donner l'initiale et l'émote qui lui correspond aussi après. Limite. Vous pouvez faire ça. BWP Burk. Oh. Bah, je suis pas le plus fan, hein, encore une fois. Ok. Non, mais en fait, je suis pas le plus fan. Ça change pas, elle est trop longue. Les bouboules sont chiantes. Le chemin est trop pétrole. L'ambiance est sympa, hein. Voilà, on va pas se le cacher. L'ambiance est sympa. Mais je suis pas le plus fan et... Voilà, je vais mettre ça dans... Mettre Waluigi Pinball ici, je pense. Voilà. Ensuite. Sprint à Sydney. Sprint à Sydney, je l'aime bien. Je l'aime bien, Sprint à Sydney. Hop, on va remonter un peu. Un petit peu dans la même veine de SA. C'est des maps que j'aime bien en fait, que j'en raffole pas tout le temps, mais de temps en temps ça passe bien. Donc Sydney, ça va aller là. Peut-être que j'aime mieux, peut-être plus Sydney par rapport à S. Quoique c'est vraiment serré. Mais du coup voilà. J'aime bien les deux. Je vais peut-être laisser quand même Sydney ici. S, ça, j'aime mieux quand même un poil plus. Il est 44, bon je pense qu'on aura le temps de finir. De toute façon au pire j'arrive en retard. Snowland. Pays neigeux. Pays neigeux. Bah je suis en bof en fait. Je suis dans la catégorie bof. Étant donné que bah en fait. Comment? Bah, elle est pas non plus ouf, quoi. Elle est vraiment pas ouf. Ce qui me gêne le plus, c'est les items qui sont pas... qui sont répartis. Et du coup, quand t'as pas les items, vraiment, tu peux être vraiment dans la merde. Et si tu te prends un choc et t'es vraiment derrière, c'est trop difficile de remonter après. Parce que t'as pas forcément les items
fixe, si vous voulez. Et du coup, voilà. Et parfois, les items sont trop tard par rapport au cut. Donc, voilà. C'est Soccer Mou, ouais. Donc, Snowland, je vais la mettre ici. Je vais même la mettre plus bas. Je vais la mettre ici. Quoique. Ah, j'aime bien un petit peu plus Temple Tomb. Quoique, non. Ah, je sais pas. Ouais. Non, j'aime mieux un peu plus Pain et Jeu que Temple Tomb. Allez. Ah, VMG. VMG. BMG. Banger absolu, coup de cœur ou j'aime bien? Oh, vous savez que je l'aime bien au minimum. Allez, elle va aller ici. Parce que vraiment, on s'amuse énormément. Je sais plus si dans ma tier list précédente, je crois que je l'avais redescendu, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Il me semble dans ma tier list précédente, j'avais mis peut-être tout sec, volcan et voix céleste en premier tier. Mais là, je vous avoue que j'ai rajouté un peu plus de map. Clément regarde mon temps sur BMG. Eh oui, il est incroyable son temps sur BMG. Par contre, le WR sur CC, il arrive quand STP Linkos. Ah oui, pardon. Oui, pardon, pardon. C'est vrai. Cité Sorbet, j'aime pas. Rock Rock Mountain, j'aime pas. Je vais même mettre ça là. Merry Mountain, j'aille du plus profond de mon cœur. Ah, ne surtout pas au clip, hein, ce que je viens de dire. Non, mais ok, bon, je vais y passer un peu plus de temps. Non, mais par contre, Cité Sorbet, je suis désolé. Les strats sont trop chiantes, y'a rien pour cutter. Et je suis pas particulièrement fan du design de la map. Rock Rock Mountain, elle est trop longue. Y'a trop de lignes droites. Et c'est trop chiant pour bag. Du coup, voilà. Voilà mes arguments. Merry Mountain, donc. Je suis pas en mode je la déteste. Mais le truc, c'est que. J'aime pas comment les items sont répartis. En fait, ce qui me pose le plus problème, c'est la répartition des items. Le rond des items placé où il y a le cut, en fait. Après, t'as une longue ligne droite sans rien où tu t'endors. Et t'as les items très très tard après. Je sais pas, en fait, j'ai un petit problème, même si pour le coup j'aime bien le design de la map. Coucou Laurie, comment ça va la Laurie? Mais là où tu veux, je m'en fiche. Oh, ça va. Non, mais je vais être sincère. En vrai, je vais la mettre dans la première debuff pour atténuer le tout. Ça va tranquille, et toi? Ça va. Ça va surtout grâce à vous. Mais en vrai, ça va. Londres. Elle est trop longue pour rien. Il y a trop de cuts. Je la trouve random. Je suis passé à un point où je déteste Londres, en fait. Et vous savez vous savez ce que ça veut dire si je déteste. C'est pas j'aime pas, en fait. C'est je déteste. Donc, je suis désolé, mais comment on peut aimer ça, en fait? Comment on peut aimer une map où il y a énormément de cuts, qui est trop longue, comme ça, en fait? Puis même... Enfin, je sais pas. Je sais pas, j'ai trop de mal. Boulake, elle est sympa. Elle est sympathique. Je vais la mettre dans j'aime bien. J'aime bien. Alors, je l'aime pas de non plus énormément, je l'aime, mais je l'aime bien. Je vais la mettre genre ici. Ce qui me pose problème, c'est vraiment les bumps quand tu cut et pour le NISC aussi. C'est juste ça qui me pose problème. Du coup, voilà. Mais it's ok, quoi. It's ok, ça va, y'a pire. Bois vermeil. Je pense que Bois vermeil, même si c'est une map longue, c'est une de mes maps préférées qui est longue, en fait.
Donc, en vrai, moi, Vermeil, j'aime bien. J'aime bien. Je pense que je vais la même la mettre ici, Bois Vermeil. Voilà. J'aime beaucoup le design de la map, l'ambiance de la map. Les strats, elles sont pas non plus incroyablement difficiles à faire, mais c'est sympa. Et voilà. Après, c'est pas la plus votée, c'est vrai, mais elle reste très sympa à faire. Même si ça, pour moi, ça reste pas un banger. Alors, Berlin, je l'aimais beaucoup avant, maintenant je l'aime un peu moins. Étant donné que y a trop de dingueries sur cette map. Alors, c'est pas pire que Londres, parce qu'il y a plus de strats intéressantes à faire. Mais Berlin, en fait, le truc, c'est que il y a trop de dingueries, je trouve. Avec les bumps, les voitures, tout ça. Je suis pas le plus fan. Je vais la mettre dans bof. Je vais pas la mettre dans le bas des bof, mais je vais la mettre genre ici. Voilà. Coucou Koljo, comment ça va? Berlin caca boudin. Un caca boudin. Peach Garden. Alors pour moi, Peach Garden, je suis vraiment désolé. Je vais pas me désoler en fait. J'assume complètement mon choix. Je la mets dans comment on peut aimer ça. Enfin, je la mets quand même devant Londres, hein, ça va. En fait, attendez. Je vais peut-être faire ça quand même parce que je respecte peut-être plus Jardin Peach que Cité Sorbet, on va pas abuser. Mais en fait, comment on peut aimer une map également où il y a plein de cuts qui est vraiment trop longue. Je suis désolé. Par pitié, dites-moi que DB3 est Godshare. Elle est pas Godshare, mais elle est bien placée. Elle est où? Je l'ai placée où, DP3? Ah, je vois plus. Super. Je l'ai placée... Ah, mais elle est ici. Ouais, elle est quand même bien placée. RR3DS. RR3DS, je vais la mettre... Alors, pas là. Juste, j'augmente un petit peu. Je vais la mettre dans correct. En fait, le truc, c'est que c'est une map où elle est bien à run. L'ambiance, elle est vraiment cool. Mais... Oh. Ce qui me gêne, c'est que... Pour rattraper sur cette map, c'est compliqué. Les mais là, très haut. Très, très haut. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je la mets pas très, très haut, Cormou? Coucou à toi, Charco. Ça va bien, toi? Attention, hein. Ah oui, il est on fire, hein. Vraiment. Cormouf full caps pour Laurie et pas moi, je le prends très mal. Attends. Qu'est-ce que j'ai raté, là? Hein? Oh, non. Go caps lock pour Elia aussi. hop. On sent le 1v1 si c'est pas... Top. Top 3. Ah oui. Ok, mais en vrai... Allez, je suis gentil, je la place ici, RR3DS. Bon, peut-être ici. Non, peut-être ici. Voilà, allez, ici, c'est mon dernier mot. Jean-Eude. Amsterdam, je suis désolé, mais je l'aime pas énormément. J'aime bien l'ambiance, mais j'aime pas le tracé, j'ai un problème avec. Il y a toujours des dingueries. Je la mets là. En vrai, ça va encore, mais voilà, je suis pas fan. Riverside, c'est ok. C'est une map à bug que j'aime plutôt bien, mais pas vraiment pas incroyable non plus. Attention, je vais la mettre ici, Riverside. Allez. Là, ici, parce que c'est une map à bague, faut pas déconner non plus. Oula, attention, pic des cœurs. Il est 55, je vais me dépêcher un petit peu. Hop. Je vais me dépêcher quand même. Ouais, c'est open dans 5 minutes, tout va bien. Attendez, je vais leur prévenir que j'arrive à 5. J'arrive à 0,5. Voilà, on est très bien comme ça. Pic des cas.
Je laisse le suspense. Ça me fait mal de la mettre là. En vrai, ça me fait mal. Parce qu'il m'est arrivé trop de dingueries négatives sur la map. Et j'ai ragé plus d'une fois sur la map. Malgré que je l'adore. Malgré que j'en ai fait une chanson. Malgré que j'ai appris les strats. Ça me fait chier en fait. Mais je suis obligé de la placer là parce que... Le truc c'est que... Vraiment, tu peux être vraiment dans la merde sur cette map. C'est horrible. Jure, il arrive des dingueries sur cette map. Non mais... Je savais pas. Ouais, fais attention. Immondob random, oups, je vais loin. Non, je vais pas loin, en vrai je te comprends Clément, t'inquiète. Mais ça reste l'origine de là où j'ai grandi limite. Donc voilà. Calme-toi. Tu me fais rire après, mais calme-toi. Putain. Tu la mets très très bas ? Très très haut, très très bas. Ok, merde, j'ai passé la map. Yoshi's Island, effectivement, je l'aime vraiment pas. De là à dire que je la déteste, j'en suis pas loin parce qu'en fait, j'aime bien l'ambiance de la map, mais vraiment, le tracé c'est très 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 compliqué. Je sais, Cormou, que t'as une histoire avec Yoshi's Island très compliqué. Derrière Mute City, ok. Mais dans tes rêves, Cormou. Putain. Oh là là. Aïe aïe aïe. Donne-moi ton âme, Cormou. Je viens d'avoir le Guadounours avant le Moulunge. Trop chanceux. Bah, ah, mais excellent, qui? Ah, et t'as réussi à comment t'inscrire au Lunge et tout ça? Ça a été Bangkok. Bangkok, je suis vraiment pas fan de la map, je suis désolé. Après, je l'aime mieux, je pense, par rapport à tous les autres maps dans BOF, donc je vais la mettre ici, voilà. Circuit Mario, je suis pas fan de la map. J'aime bien le tracé, j'aime bien l'ambiance. Mais malgré ça, je suis pas fan, en fait. Voilà. Bandécoque. Oui. Bien vu, bien vu. Stade Waluigi. Comment ça dans BOF? Comment ça pas mal? Comment ça pas mal Bangkok? Non, enfin quoi. Putain Laurie. Aïe aïe aïe. Stade Waluigi. Alors, je suis désolé pour Stade Waluigi. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Je suis désolé mais je l'adore même. Je l'adore Stan Waluigi. En vrai je l'adore vraiment maintenant. J'en suis arrivé à un point où quand je sais pas quoi voter, parfois je vote cette map. Donc voilà, en vrai j'aime bien vraiment par rapport au strat qu'il y a à faire et à l'ambiance de la map. Voilà. Donc, je sais quand même, il y en a pas mal qui l'aiment pas, mais moi je l'adore. Voilà. Quand tu la votes, quand tu paniques, oui. Mais oui, et t'as eu le cas deux fois en plus. Hein. Vraiment. Singapour, je peux vraiment pas me la piffrer, je suis désolé. L'ambiance est ok, mais le reste, j'y arrive pas. Vancouver. Je vais la mettre ici. Non, je vais... C'est pas une map que où j'ai du feeling. Donc je vais la mettre là. Donc voilà. Je vais la mettre là comme ça. Te la pifferai, je suis au sol. Comment ça, t'es au sol? Pour Singapour. Atroce Stade Waluigi, Halfpipe de MKW, ils l'ont ruiné. Ouais. Mais après, ça va. Ça
Ça va, ça va. Vancouver, par contre, je vais la mettre quand même plus bas. Je vais la mettre ici. Ça me paraît bien. L'expression de fou. Tu connaissais pas Cormon ? Ah, mais tu sais, moi j'utilise des expressions. Je vais me piffrer le Singapour. Aïe aïe aïe. Athènes. Oh, Athènes. Attendez, Athènes. Athènes, c'est trop bien. Athènes, on va la mettre. Ah, je la vote pas non plus énormément. Ça m'arrive de la voter quand même. Mais. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je vais la mettre ici, Athènes. Ici, voilà. Oui, devant DKS, ouais, je suis d'accord, mais même j'ai envie. Athènes, vraiment, bah, c'est une des maps aussi que j'ai tryhard, qui fait partie de BMG, Voix Céleste, Pic DK et compagnie, et Dojo Ninja. Bah, je la mets ici, parce que l'ambiance est vraiment folle. Le tracé, il est très original. Et c'est intéressant de la voter en plus. Voilà. Pour le peu qu'on maîtrise les strats, c'est vraiment bien. Paquebot Daisy. Alors, Paquebot Daisy, elle est bien à run. Mais le problème, c'est que vraiment, en lounge et en war, je n'y arrive pas. Je vous le jure, je finis jamais premier ou très rarement. Étant donné qu'il y a beaucoup de bumps, les tapes sont chiantes. J'aime pas non plus, j'aime pas énormément la map. Malgré qu'elle soit ok à run, quoi. Donc je suis désolé, mais Paquebot, bah je vais la mettre. Je vais la mettre là, Paquebot. Voilà, je vais la mettre là. On arrive aux maps, au DLC 5 et 6 hein, maintenant. Autoroute. Enfin, route claire de lune, pardon, je vais y arriver. C'est compliqué de la juger celle-là parce que vraiment, tu pars devant, t'es tranquille. Mais le truc, c'est que. En fait, il se passe pas grand-chose. Et ça se fout vraiment sur la gueule dans le bot, c'est chiant. Du coup, voilà. Il y a vraiment beaucoup de maps que j'aime pas en fait. Après, j'ai eu quelques réussites. Quelques réussites dernièrement, mais je vais pas me baser sur ça. C'est pas non plus une map que je déteste, du coup, voilà. Je vais la mettre là. Non, quoique. Non, je vais la mettre là. On est bien comme ça. Ok, on est bien comme ça. Course à la propreté. La musique m'insupporte de cette map, je vous jure. J'aime bien quand même les strats à faire, mais la musique m'insupporte. L'ambiance est ok, hein. On est dans une, on est en miniature, mais je vous jure. J'aime pas. Je suis désolé Cormou, hein, mais voilà. Après, j'aime bien les strats qu'il y a à faire. Même si c'est pas non plus incroyable. Je vais la mettre dans bof. Encore une fois. Je vais la mettre là. Los Angeles. Los Angeles, je l'aime plutôt bien, même s'il y a beaucoup de dingueries à la fin. Je l'aime quand même bien, ça va. J'ai appris à l'aimer avec la WF, on va dire. Mais c'est un mini correct. Hein. Elle va aller là. J'accélère un petit peu. Sunset Wilds. Elle est folle l'ambiance de la map. Après la bague, j'ai du mal. Là, c'est personnel, mais j'ai un peu du mal à la bague. Je vous avoue. Je vais la mettre ici. Accélère, faut que je voir là. De toute façon, t'auras le truc complet, Cormou. Et ouais, il est 5, je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher vraiment. Vite. Vite, vite, vite. Cap Koopa. Cap Koopa, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Cap Koopa, en vrai. Je la vote souvent. Quand je suis vraiment mid. Je pense qu'elle va aller là. Carrément, voilà.
Cap Coupa, ça va ici. Madrid, oh Madrid. Madrid, je l'ai quand même bien, bien tryhard. Ça va aller en coup de cœur. Ça va aller en coup de cœur, je pense. Ça va aller derrière les vaches. Madrid ici, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. Rosalina Ice World, je les train pas mal également. Je vais la mettre en j'aime bien. Parce que j'aime bien l'ambiance de la map, vraiment. J'aime vraiment l'ambiance de la map. Mais je vais pas la mettre non plus en encore plus haut, mais voilà. Rome, vraiment, Bengar, tu tiens pas à moi, en fait, je me... Mais attends, je suis pas encore passé à Rome. Non mais, je suis pas encore allé à Rome, dans tous les sens du terme. GBA 3, enfin non, SNES 3, SNES BC 3 plutôt. Je dis toujours GBA 3 sans faire exprès. Je l'aime bien aussi également, on va la mettre ici. Et enfin, et voilà. Non, je vais la mettre là. Ensuite, RRUI, elle est trop longue malgré les strats à faire qui peuvent être sympathiques, notamment juste avant le canon et après aussi. Mais c'est compliqué, hein, donc malheureusement, j'aime pas trop. Hein, après, ça va, c'est pas le j'aime pas, je déteste, mais j'aime pas trop, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Rome, je l'aime bien. C'est pas un banger. Désolé pour ceux qui voulaient que ça soit en banger. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Je vais la mettre en... Je vais la mettre ici, Rome. Voilà. Oui, Elia. DK. Antenne DK. Ah, je suis désolé, mais je pense que ça va s'ajouter. MP. Ouais. Je regarde. Je vais l'ajouter là. Hein. Hop. Ah ouais, ok. T'inquiète. Juste après. Je suis là. Maëlio, t'inquiète pas. Vraiment. Z sans LSD. Et de toute façon, tu me préviens et tout, voilà. Daisy Circuit. Je vais mettre ça dans... Non, je vais peut-être monter un petit peu. Mais je suis pas fan de Daisy Circuit, genre, vraiment, ils ont rajouté cette map... Je sais pas pourquoi en fait, hein. Je sais pas l'intérêt de la map. Bon. Je suis désolé, mais je l'aime vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais la mettre là, hein. Je vais la mettre là. Et enfin, Ruine Plante Piranha. Une map. Mais c'est ce que je pense en plus, Corm, je te jure. C'est ce que je pense. Hein. Ruine Plante Piranha, je vais la mettre dans. Dans correct, en vrai j'ai appris à l'aimer avec les strats et puis même, c'est une map assez originale et une map aquatique complète, enfin presque complète. Je l'aime plutôt bien, voilà. Je vais la mettre, je pense, là. Ça me paraît pas mal. Voilà, en ce qui concerne la tier list, c'est ma tier list, hein. Ce sont mes goûts. Pour rappel, ça représente, comment dire, hop, je télécharge l'image, évidemment, voilà. Hop, on fait ça. Et du coup, pour rappel, ça représente le fait de les aimer, le fait d'aimer les maps ou non, par rapport au Lunge ou au War, par rapport à leur design ou par rapport aux strats qu'il y a.